On les croyait légèrement apaisés, les tensions semblent plus fortes que jamais entre Laetitia Hallyday d'un côté et Laura Smet et David Hallyday de l'autre. La fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye a poussé un gros coup de gueule dans un message Instagram, à découvrir ici, le jeudi 19 septembre en apprenant que le corps de son père allait être exhumé. Elle n'hésite pas à évoquer un fraudeur, parle-t-elle d'André Boudou, le père de Laetitia Hallyday? Mon père va être exhumé et je l'apprends par la presse. Quand sera respecté notre lien filial? Des promesses faites face caméra mais dans la réalité rien balance-t-elle visant clairement sa belle-mère. Laura Smet se lâche, son entourage artistique réinventé et on me parle des volontés de mon père. Son entourage juridique maintenant avec des changements toutes les trois semaines et un fraudeur aux commandes. Ambiance. Évoque-t-elle André Boudou? Le père de Laetitia Hallyday a quelques problèmes avec la justice. Le jeudi 12 septembre dernier, il comparaissait devant le tribunal de Saint-Martin pour répondre de violences commises contre un pêcheur septuagénaire. Ce n'est pas tout. Il comparaissait également après avoir menacé des plaisanciers sur l'île de Saint-Barth. Le jugement sera rendu en octobre prochain. S'il est condamné à de la prison ferme, ce ne sera pas la première fois pour André Boudou, qui était condamné à 6 mois de prison en 2007 pour fraude fiscale, abus de biens sociaux et comptabilité falsifiée.